Salut, c'est Maître Jack. On continue notre série sur le temps et aujourd'hui, on apprend à lire l'heure. Pour lire l'heure, nous regarderons la petite aiguille des heures et la grande aiguille des minutes. Nous n'aurons pas besoin de l'aiguille des secondes, la trotteuse. Faisons disparaître la trotteuse. Dans l'épisode précédent, nous avions vu qu'il fallait que l'aiguille bleue, l'aiguille des minutes, fasse le tour du cadran pour que l'aiguille rouge, l'aiguille des heures, avance d'une heure. Le tour du cadran pour l'aiguille bleue, c'est 60 minutes. Il faut 60 minutes pour faire une heure. Il y a 60 minutes dans une heure. L'aiguille des heures, quant à elle, fait le tour du cadran en 12 heures. Les 12 heures du matin, puis les 12 heures de l'après-midi. Dans la journée, la petite aiguille des heures fait donc deux fois le tour du cadran, deux fois 12 heures, c'est-à-dire 24 heures. Il y a 24 heures dans une journée. Pour lire l'heure, il faudra d'abord observer la petite aiguille des heures. Ici, il est 3 heures pile. La petite aiguille des heures est exactement sur le 3. Pendant la troisième heure, la petite aiguille va se déplacer tout doucement vers le 4 pour arriver à 4 heures pile. On va accélérer le temps pour la voir se déplacer. Ça y est, elle est partie. Regarde bien, elle a déjà fait la moitié du chemin. Il est 3h30. Voilà, elle est arrivée sur le 4. Il s'est déroulé une heure. Il est 4h pile. Tant que la petite aiguille n'est pas arrivée exactement sur le 4, nous sommes toujours dans la troisième heure. Observons maintenant le chemin de l'aiguille bleue des minutes pendant ce temps. Retour en arrière, il est 3 heures pile. Pendant que la petite aiguille rouge fait son chemin de 3 vers 4, la grande aiguille bleue des minutes va faire le tour du cadran, c'est-à-dire marquer 60 minutes. Observons l'aiguille des minutes. Quand elle est sur le 12, il est 3 heures pile. Quand elle arrive sur le 1, elle a déjà parcouru 5 crans. Il est 3h05. Quand elle arrive sur le 2, elle a parcouru 10 crans. Il est 3h10. Quand elle arrive sur le 3, elle a parcouru 15 crans. Il est 3h15 ou 3h15. Tu remarques que les positions 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 de l'aiguille des heures correspondent aux positions 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 de l'aiguille des minutes. Quand l'aiguille bleue des minutes arrive sur le 6, il est 3h30 ou 3h30. Regarde, l'aiguille rouge a fait la moitié de son chemin entre 3 et 4. Quand l'aiguille des minutes est sur le 9, il est 3h45. On peut aussi dire 4h moins le quart, car il reste un quart d'heure pour arriver à 4 heures. Alors rappelle-toi, pour lire l'heure, on regarde d'abord où se trouve la petite aiguille des heures. On regarde ensuite la grande aiguille des minutes. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires. Salut !